Fait brancher pas oublier connecter Sofia TV 83 m'a content jodi a pour présenter les principaux points qui va le faire essentiel dans nouvelle là restez connecté ensemble avec nous mes nouvelles là dans bon gentil mamite au commission nations unies pour droit monde exposé dans rapport été publié vendredi qui était 10 février passé à conséquence à quel pas gang yo fait et demander pressé pour communauté internationale là considérer en urgence yo déploiement force militaire pour supporter yo et spécialement dans délai qui passe spécifique et Haïti a souffri faut que yo pote contribution yo pour aider Haïti sorti dans sa lié là. Et puis tout près dans zone Natibonite côté bandi a continué faire causer dans département ça. Bandi ça vient yo attaquer hier soir corridor des chapelles, yo kidnappé plusieurs moun d'après ça quelques citoyens rapporté. Population mandé force l'ordre yo tant pris pressé souple pote le secou t'assemblé autorité yo blier moun liankou verrette à des chapelles yo et c'est un SOS qui lance pour une qui mesure la police ak l'état te kap pran responsabilité yo selon ça Désiré Ness raconté nan information yo nan kaye moun yo pa rive identifié rentre la kayon citoyen soit tout fait sous prétexte li ta gen yon enveloppe jaune nan men ki ta chargé l'argent mais pourtant information yo confirmé c'est un résultat examen citoyen nan ta chercher étape essayer moutre moun nan ki condition situation yo compliqué pour lui en pile point ak l'autre encore c'est pas essentiel la nouvelle là pour jodi a restez connectés ensemble avec nous sur Sofia TV 83. Je vais toujours continuer à remercier tout le monde qui prête la main fort, le monde qui rejoint nous pour la première fois. Si la route est là, et nouveau abonné nous qui permettent nous vivre à 50 000. Et de partager, continuez bonne love là pour nous capables de arriver plus loin toujours. Et nous là pour continuer à partager information yo en temps réel. En nous informer que tu es la Tibonite levé avec un peu de tristesse, c'est un coup, j'en sais souvent, une population qui est très suspecte, surtout avec ensemble d'actions qui a posé, et sous zone dans la dernière zone, vit avec centre-ville, si j'ai la Tibonite, qui vit en zone de transit, et dans le moment, parce que, et gang, ça y est, gang, lui, c'est fond, et baisser ses amis contre population qui vivent dans le centre-ville, si j'ai la Tibonite, mais ça n'a pas eu garantie, et ça a été pour tout le temps parce que monsieur passé dans la commune utilisée la Tibonite pour faire exaction dans la commune Zérette hier au soir aux environs 6h 18 minutes et mon dans centre-ville utilisé la Tibonite qui remarqué un pick-up qui était chargé nègre avec gros âme la guerre qui tape dans la direction commune Zérette malgré ou pas qu'à empêcher ça parce que population a la guidé bra balancé pas de présence la police pas de présence la justice. Eh bien, tant que bandits ont été annoncé après mouvement que moun dans zone des jardins, dans la commune Zérette, fait pendant semaine qui se passait à pour te saisir, ils ont quantité cartouches qui t'a traversé pour ta jeune base de grippe. Nous changeons que ça c'est la cause plus passé sept moun t'es perdu la vie. Eh bien, monsieur, t'es pratiquement descendu dans la commune hier soir, et pour en plus moun, pratiquement en tout cas dans le monde pour kidnapper mon yo mais nous pouvons un chiffre sur quantité mais plusieurs tailles pillées que monsieur aller dans base yo avec monde qui rejoint en dedans caillou et des monde sous place côté au point était commencé maturiser ça c'est la cause que population t'a lancé SOS tout partout t'a gueulé secours personne pas répondre ça la cause pour matin en pile 13 sous commune Zérette et même commune Liankou qui mandé avec la police pour au moins après saisir quantité des cartouches qui ont été faites dans la zone, pour qui ça qui est responsable numéro 1, la police là, avec responsable au niveau département, par que j'en prends disposition pour permettre que la police présente dans la commune Verrette, à la commune Tirivelle, la Tibonite et la commune Liankou, dans le dernier jour qui pratiquement vine zone et que bandits ont acheté l'argent comptant, parce que n'importe ça qui a annoncé qu'il y a rien pour faire, ils ont annoncé et ils ont fait vraiment, après monsieur Define saisi cartouche pour base Gandrifo, et bien, et numéro 2 base Gandrifo là, et Gens Noriston alias Montrop, qui fait quoi? Si la population n'a pas fait rejoindre cartouche et ceci, c'est la caille pour te voter cartouche et si pas de côté, et bien elle t'a monté dans la zone pour te kidnapper 200 monde, et bien monsieur, passé des paroles, des actions, parce que hier soir, au débarqué, il y a plusieurs monde dans la caille pendant qu'on a utilisé en pile dans la localité de Chapelle, Doda, et plusieurs monde pratiquement dans la même base Gangris, dans le moment qu'il a parlé là, les personnes avec Jean-William Sévère et auditeur Radio Mega. Et donc, continuez à demander avec la police ou prendre disposition pour au moins pour permettre que les gens qui vivent dans la région de la Tibonite rejoignent la paix qui vous souhaitez à cette situation vraiment compliquée. Ils ne peuvent pas sortir pour voir qu'il y a activité, ils sont dans le caillou, ils ne sont pas en sécurité.
On va aller avec Pascal Fleuriste, j'en dis dans Akaya, cité de Gapoua. Comment ça y est, Pascal? Est-ce que comment vous l'avez levé pour matin? Ça qui gagne comme information? Et bonjour Blaise. Bon Blaise, faut nous dire hier il y a un incident qui passait dans niveau et Meyotte qui trouvait dans la commune AKR côté. Une dame j'en sorti dans titre dans 62 l'année donc rivé et perdu la vie. Donc c'est monde qui mon pas élevé identifié qui entré en dans la caille dans grand matin et au tout fil et sous prétexte c'était gon enveloppe jaune nan men. Donc en nuit là mon rentré la caille yo mandé pour yo bali en pour yo bayo donc cob qu'il sont cherché a et puis mais malheureusement dans enveloppe ça c'est une dame qui très maladive c'était un certificat médical ensemble avec une radiographie qui était dans enveloppe là donc ça cause et dame 62 l'année ça l'arrivé et perdu la ville et puis l'autre information et c'est concernant et bureau et centre livraison document identité qui gagne dans niveau AKE donc monde qui vient des services yo interpellé directeur général DGIA qui c'est Jean-Emmanuel Kasséris qui c'est moun AKE yo mandel faut que li voye j'ai gardé et bureau ça qui complètement dysfonctionnel chaque jour c'est pile moun c'est plusieurs milliers moun qui viennent prendre service mais malheureusement et bureau ali pas fonctionner parce que plusieurs services et presque pas disponible la donne donc yon journée besoin comprendre qu'il y a plusieurs milliers moun donc et opérateur pas arrivé servir 10 moun et puis insécurité kap taille banda nan niveau Canaran et Blaise qui a une gros conséquence sur plusieurs petits marchands dans la communauté AKEA. Plus précisément, marchands et tablettes qui connaissent Kafou Saint-Médard pour les gens qui ont passé sur le national. Là. Donc, longtemps normal, Kafou ça a été chargé avec marchands tablettes, mais finalement, l'on passé ou capable de river, compter sur douette quantité de marchands qui sont là. Donc, ils ont demandé autorités dans le niveau de l'État pour que ils disent un bagaille pour passer cette situation. Pas capable de comme ça. Donc, pour moun obligé rentrer pour au prince, coûte machine nan blaise, li complètement li triplé, font moun ou besoin 750 gouttes pour quitter et AKE nan moment ça là pour capable arriver nan capitale haïtienne nan. Et Pascal Bamando ça, bon oui, question traverse Canaran, bon, nouvelle là, li clair que et gon question droit de passage qu'a fait Kounia tout et qui donc situation vient pas très compliquée pour monde qui a traversé surtout monde qui dans question machine transport public yo et chauffeur au même bon qui vient dans situation difficile Kounia en on garde les premières informations côté Bailan Pascal concernant et dame ça 62 l'année que il est nèg en rentré dans la Cali. Yo tout fait, pesé coup, mais mettez oreilles sous tête, li tout fait, li. À cause que, il était gon enveloppe jaune nan mel, ravissait ou quoi enveloppe jaune ça, il était gen l'argent la donne. Et puis, l'air ou entre, bon, yo mandé l'enveloppe jaune nan, l'air gade ouais, c'est bail, pas bail, médicament, li bail, li, parce que santé pas fin en forme. Et, mais est-ce que c'est des monde qui tape ça? On regarde bien. Est-ce que c'est des monde qui tape sur les débuts dans la journée, ou bien c'est des monde qui a des informations dans l'entourage, li, sous question ça? Et est-ce que dame dans tout lui-même pas de monde qui t'a vivé avec Ander Kaysa? Donc c'était yo deux et c'était yo deux qui étaient dans cala lui-même avec un seul. Donc yo était mari sœur lui-même c'est lui qui était enveloppe là et yo était tout fait et juge de paix commune qui c'est Henri Claude Louis Jean donc qui était venu faire constat et il était parlé dans micro nous il dit que il ouvert une enquête et dans zone là parce que il dit d'après information qu'il recueilli tamnan et pendant journée elle était saute et l'hôpital là il t'a montré et moun et enveloppe là donc a vie c'était pensé donc c'est cob qui t'est gagné dans enveloppe là donc et puis non et matin lundi bien bonnet yo rentré la caille tamnan et puis yo tout fil malheureusement yo pas joindre rien qui t'est dans enveloppe là qui c'est un certificat médical ensemble avec radiographie que tamnan t'est sorti et dans l'hôpital. Merci un peu Pascal Fleuristil, merci un peu pour l'information ça. Bon, tout là encore, c'est de exemples que nous qu'à tirer de nous-mêmes pour éviter que ce genre de problème ça répété. Et on dit, on certain que, et bon, dame, non, qu'est-ce pas, bon, 62 l'année, assurément, les problèmes santé, là, monde qui demande comment, bon, quand ça résulte à l'arrivée. Ouais, et pour médicaments, il y a même qu'au guémoin, même pour te procurer tête de médicaments. Mais ravissez pas, la semaine, oui. 62 l'année. Bon, vous entendez, c'est très compliqué, mais j'en dis, c'est encore conseil à nous-mêmes. Mes amis, c'est vrai, nous connaissons, mais autant qu'on est capable de faire des affaires personnelles,
Oui. Et là encore, puis bon, parce que bon, imaginons si c'est vrai, effectivement, Jean Judé Père l'ouvrit enquête, là, Jean, l'autre dame qui était avec l'enquête, là, expliqué, fait, ah, c'est ça, ça, bon. En tout cas, opération que la police lui-même menait, Tonat 1, qui a rapoussi, dans Port-au-Prince, qui a diverses villes, provinces, opération Tonat 1, quatre individus qui stoppaient, qui rivaient tomber. Selon ça, la police dit, il y a deux armes qui saisies et une machine qui rivaient saisies tout, et que la police lui-même saisit dans le cadre d'opération ça. Pas d'opération ça que la police nationale d'Haïti menait, la police dans l'Alaska au bas avec unité Udmo, qui est même dans la ville Mirbalais, département centre pays d'Haïti. Dimanche qui était 12 février 2023, il y a quatre présumés bandits qui mortellement blessés pour une dîme qui tombait dans Boukate Koubal, selon ça, la police dit avec eux. Parmi eux, certains de chefs gang ISO ainsi connus, dans Boukate Koubal qui tombait avec la force l'audio. Dans l'affaire qu'on est tout dans le cadre d'opération ça, un fusil d'assaut calibre M4 et puis un pistolet 9 mm qui est récupéré, une machine Mac Lexus couleur noire et puis que la police confisquée, selon ça, la police dit. Toujours dans le cadre d'opération Tonat 1, ça, la police lancée à travers tout pays là pour les contrecarrer et gagnant d'un pays. Commandant chef de la police dans France LB, lui passer instruction formelle avec le directeur départemental Lio et puis responsable différentes juridictions police là pour y mettre en branle, mettre en place, pour y arriver, mettre tout ça comme moyen disponible pendant tout côté ça en dit département yo, commissariat yo, pour y arriver, démanteler, nous capables dit tout côté qui est groupe gang qui a bien problème. J'en ai dit à Isoa, ISO ainsi connu, mais c'est pas quoi, c'est ISO en bas, non? Mais gagne yon ISO parmi individus qui tombe yo dans l'Alaska au bas, département centre pays d'Haïti. Selon ça, la police dit dans le cadre opération Tonade 1 qui lançait bon côté recommandement la police. On a toujours été dans le dossier insécurité. J'ai noté annoncé ça dans notre site journal la plusieurs cas kidnapping signalé dans la commune Pétionville hier lundi. Nous avons plus de détails sur ça. Yon ka kidnapping enregistré hier après-midi 13 février dans Pétionville, Zak sa komet nan rue Metelus partout loin place Boya avant 4 heures après-midi. Victime ta yon médecin selon témoin Sensila qui souligné ravissant gen gros am lou nan men yo. La police à Pétionville a affirmé que elle était enregistrée bien bonnet dans le dimanche matin. Il y a qu'un kidnapping selon Menos dans Péguyville. Nous apprenons tous les armés kidnappés tous ils ont prêté. Qui donc ça kidnapping eux-mêmes qui pas campé. Père Antoine Maquer, Christian Noah, nous sommes juste alors qui était kidnappé. Et mes prêtres missionnaires, délégation indépendante anti-missionnaire Claristin qui était kidnappé dans date qui était 7 février par groupe armé qui part dans Port-au-Prince, rapporté par Agence Fides. Mes pères Antoine Vicaire, paroissial, paroisse Saint-Michel, Kangelan et Moun, alors qui soit dans le pays Cameroun et en dit continent africain, qui était dans route pour aller à Kazan, la communauté missionnaire ça qui trouvait là quelques kilomètres dans nord Port-au-Prince que bandit était kidnappé avec bandit kidnappé ravisseur qui m'a des grosses sommes l'argent pour que l'église dans les mêmes pour libérer et Père Antoine Maquer en Christian Nora prêtre missionnaire ça n'a fait qu'on est que bandit qui m'a des grosses sommes l'argent pour libérer Père. Mais non, apprendre que là, mais situation ça lui-même, mais jusqu'à présent là, eh bien, Zak kidnapping yo cap rapoussible en deux pays chaque jour qui passait, et c'est ça qui a pas encore créé en pile la pérèse, la caille en pile monde chaque fois que y attendait Zak kidnapping cap produit en deux pays, et personne monde pas épargné, élève, professeur, journaliste, yo toutes ap victimes Zak kidnapping en bas main, en dit ravissé yo. Toujours question, kidnapping, jeudi en fait 11 jours depuis journaliste Jean-Tony Lorté ak deux proches li kidnappé puis séquestré dans l'idée pour capable de libération yo gen Renaxan tête coulé ak corporation journalistique là qui a organisé yo marche jodi devant Napcom ya par regroupé yo nan Pomorin nous ba ou lecture bien rapide dans notre sila Renaxan tête coulé ak corporation journalistique là invité nous rejoindre sur place qui devant Napcom nan Pomorin nous pral marcher pour nous dire non contre kidnapping libéré journaliste Jean-Tony Lorté ak l'autre monde qui a clio c'est micro
caméra ak plim journaliste gagné yo pa gen l'argent n'ap tan tout moun ki lui fait solidarité ak nou a patiner vers nan matin nou vraiment souhaiter monsieur ravi se fait geste l'amour ça parce que l'amour ka changer tout bagay même jan nan l'amour l'orté toujours fait don sang pour aider sauver la vie moun ki nan besoin ça. Nous m'avons mis nos grâces à pour confrère à collaborateur. Nous rejoignons une famille à corporation. Personne pas mérité ça. Patan laisse yon proche pour ça. Concerné dans solidarité, nous capable faire différence. C'est ça, nous capable dans notre ça. Côté rénaction, la tête collée à corporation. Journalistique a annoncé au marché jeudi, qui marquait 11 jours. Depuis journaliste Jean-Tony Lotte, avec deux mouns qui étaient avec le kidnappé. Puis séquestré dans l'idée pour capable demander libération. Yon. N'a pas gardé ça toujours concernant l'information, ça, qu'il y a une institution militaire haïtienne qui en est, pour nous dire bien question en force à l'armée d'Haïtien, qui en est, non, non, pour la presse, qui a été depuis la date qui était 9 février 2023, c'est le communication force l'armée d'Haïtien, FADH, annoncé disparition soldat Raphaël Stanley, et même, qui fête samedi, qui était 4 février 2023, dans Pétionville, selon l'information, yo, qui en dit, yo, nous, dans 4 à 4 qui ont mené, mais au fait qu'on est là, témoin qui était sur place expliquait que jeune soldat ça qui était fait partie première promotion militaire là qui était relé à Nakaona monsieur perdit la ville suite avec un altercation qui a soldé avec un individu pendant que Andy force institution l'armée lui-même qui exprimait toute douleur la peine ni bah tout supporté avec parents défaillants force armée d'Haïti lui-même qui touché par Andy et situation ça ben demandé qu'il a gagné de enquête qui menait sur dossier en mort jeune Andy soldat FADHA pendant suite que direction centre de police judiciaire lui-même tout lui avancé pour agir sur question ça pour capable mener enquête sur circonstances la mort jeune un soldat à force armée d'Haïtien que non qui est Raphaël Stanley qui est perdu la ville dans date qui était samedi 4 février 2023 ça ce Jean qui dit l'un côté responsable dans la force armée d'Haïtien suite avec une altercation qui a gagné avec un individu selon ça il dit à travers information si là n'a avancé avec information toujours dans question criminalité ça qui a passé en d'un pays là n'a prendre que moun yo pas arrivé identifier éteindre la vie d'âme sa Marie Elena Saint-Léger qui a 62 l'année 12 jours lundi qui était exactement 13 février 2023 la Cali dans Mayotte alors dans Mayotte. Alors, Mouniou va identifier Touye, Marie-Hélène Saint-Léger, 62 l'année, d'ouvre jour, qu'elle lundi 13 février 2023, la Kaline, à Mayotte, commune à Kaye, JDP, titulé, et commune Henri-Claude, lui, Jean, qui t'a fait constat, ben, autorisation pour lever cadavre, et puis annoncer une enquête pour jeune coupable, Moun, qui t'a éteint la vie, Marie-Hélène à Saint-Léger. N'a venu toujours avec un mouvement qui a fait par rapport avec ça qui a passé en deux pays, puisque si il y a une action criminalité qui a commis en deux pays, mais il y a de mouvements de protestation qui a fait en dans l'hôpital général, côté médecin résident, a exigé meilleures conditions de travail à cause que l'État n'a pas respecté ça lui-même, l'été avec eux comme clause dans le fonctionnement en dans l'hôpital général. J'en dis en blesse, il y a un médecin résident de l'hôpital général, il a été marché dans la riporte au prince. L'autre fois encore pour exiger meilleures conditions de travail. Protestataire Audrisson Tableau Noir couleur que sous situation l'hôpital ça qui pas même gain courant pour travail. Pas gain cafétéria, pas gain dortoir, c'est quelque parmi problèmes résidents. En côté quelques nan yo qui t'es dans micro Alex Gauthier. Et voilà, ça c'est en dit déclaration diverses médecins résidents capables d'y protester ou même cap revendiquer là cap exiger meilleures conditions de travail comme médecins résidents dans l'hôpital général. Toujours dans le même dossier ça non note pour la presse que collectif défense plus mettez dehors collectif là condamné comportement cynique pour voir en place face avec situation chaotique cap développement de l'hôpital général Université d'État d'Haïti depuis presque deux mois collectif défense plus a constaté avec en pile la peine, un dit et comportement méprise gouvernement place en face avec grève médecin résident dans l'hôpital Université d'État d'Haïti
que tout le monde connaît sous l'hôpital général, qui je dis est indispensable, qui importe en pile pour fonctionner, alors qui importe en pile en question fonctionnement l'hôpital là, qui donc revendication médecin, puis bon traitement pour médecin yo, mais grève médecin résident qui lancé en dedans HEH là, qui lancé depuis mois décembre 2022, l'Iran l'hôpital là pas fonctionné, presque tout service en dans l'hôpital ça pas fonctionné, droit à la santé, son droit qu'il y a avec un droit à la vie qui fait partie ça ne relève arsenal juridique haïtien dans constitution et dans pacte international qu'il y a avec question droit économique et social qu'il tire dans article 12. Par conséquent, collectif défense plus ça condamné comportement cynique à gouvernement Jean Dile déjà qui eux-mêmes pas vraiment by accent mettait vraiment accent sur question ça, sur question grève médecin yo résident l'hôpital général yo que on connaît jeudi, c'est là en pile monde à prendre service puisque c'est l'hôpital l'État, l'hôpital Université d'État d'Haïti lui-même qui je veux dire qui c'est plus grand centre hospitalier cap bail service avec la population haïtienne non, surtout mon département l'ESP hein, médecins résidents cap travail meilleures conditions de travail, matériel adéquat pour yo travail et même ça qui capable permettre que yo gagne toujours additionnel pour travail toujours grève ça je dis là limiter en pile dans service ça pas fonctionner tant coup maternité médecine interne ophtalmologie orthopédie, pédiatrie, chirurgie, dermatologie, ORL, mais ensemble de services n'a pas fonctionné. Pendant qu'il a capé que plusieurs millions de dollars américains étaient décaissés, étaient débloqués pour reconstruction de l'hôpital général, nous songeons qu'il était détruit, qu'il était écrasé dans un tremblement de terre 12 janvier 2010. Pendant 13 ans, ça, l'hôpital général toujours trouvé dans une situation très critique. Bâtiment en bas, presque fini, mais c'est rat-sourit, ravet, fat-cassal. Qui a chanté en dedans espace bâtiment ça dans sa collectif a défacé plus les encore exiger gouvernement en place non pour le mettre en place pour le prendre à cœur revendication médecins résidents yo pour le sortir en l'air fauteuil douce que yo ayant pour yo descendre à joindre alta des revendications médecins résidents yo al garder état l'hôpital là lui-même pour que yo capable permettre que l'hôpital général d'abord satisfait revendications médecins résidents yo satisfait revendications donc capable dit un dit personnel yo qui souvent capable faire des revendications tant qu'on fait notre trace et puis en pilote un dit personnel dans l'hôpital général qui passe suspend à faire ces voyous pour exiger meilleures conditions de travail. Et bien, le collectif de Voix et Plus mandé avec responsable dans l'État pour tant décrit en dit protestataire ça yo garder comment au cap permettre l'hôpital à fonctionner comme ça doit selon ça au dit à travers pour la presse. Après une visite deux jours en Haïti, haut commissionnaire Nations Unies pour droits moun Volker Turk te dit dans un rapport que t'a publié vendredi 10 février passé a que t'a observé que pays a dans une situation désespérée même si problème yo empilé accablant. Volker Turk t'a jugé que situation pas sans espoir. D'après lui, façon pour Haïti sorti dans crise ça, c'est peuple haïtien qui doit gagner destin en charge et puis diriger solution. Mais face à quantité grosseur problème ça yo, li mandé attention actif et si pour communauté internationale là. Volker Turk exposé les rapports que l'on a publié, conséquences et impact violence gang yo dans plusieurs quartiers dans Cité Soleil. Gang yo tué au moins 263 moun, 285 moun blessés avec 4 moun qui étaient disparaître dans l'époque 8 juillet rivé 31 décembre 2022. Gang yo fait violence sexuelle à Kadejak sous femme actifi et puis fait pillage, ça qui la cause en pile moun sauvé quitter la caille. Depuis juillet année passée, gang yo a dirigé quartier sa yo dans un climat la pérez permanent, nan tire moun sans discrimination. Climat ça fait que moun yo pa gen accès ak besoin de base yo tankou de l'eau, manger ak service sanitation et ça créé un environnement qui favorable pour propagation maladie infectieuse yo ensemble ak choléra. Gang yo kembe communauté en otage pendant que organisation non gouvernementale ak agence Nations Unies a fait effort pour yo bay aide qui nécessaire dans quartier yo, gang yo arrivé contrôler quelques nan aide ça. Yo estimé que environ 200 gangs a fonctionné dans tout pays. Kounia gang yo contrôlé yon pati dans capitale là, mais yo gaillé dans tout centre ak nan nord pays. Tant qu'on dans département la Tibonite là ak nan noa. Plus passé 500 000 timoun kap vivent dans quartier qui contrôlé par gang yo, a pluté pour yo joindre accès à l'éducation. D'après commissionnaire Nations Unies pour droit moun nan, manque ressources ak personnel dans force police là, ensemble à corruption chronique ak un système judiciaire faible, la cause impunité tourne un problème central dans pays d'Haïti. D'après lui, gen yon nécessité urgent pour renforcer système justice criminelle là, améliorer système pénitentiaire en particulier avec 80% moun ki nan prison yo ki en détention préventive. Faut que yo attaquer corruption ak impunité en Haïti.
chef doit moun la observer que crise sécurité actuelle là vient aggraver situation économique peuple haïtien. Plus passé moitié dans 11.8 millions habitants yo a vivre en bas niveau pauvreté. En plus de ça, violence gang yo fait en pile moun sauvé qui te pays. Finalement, dans rapport li Volker Turk dit que support communauté internationale là nécessaire. Je demande également à la communauté internationale d'envisager d'urgence le déploiement d'une force d'appui spécialisée dans les délais précis, dans des conditions conformes aux lois et normes internationales relatives aux droits humains, avec un plan d'action complet et précis. En plus de ça, il était considéré que violation systématique et abus de moun yo pas permettre qu'on y a là pour rapatrier Haïti en Haïti. Malgré ça, il notait que 176 777 immigrants haïtiens étaient rapatriés l'année passée.